16 minutes left. Ouais, mes voyages et mes arrêts cardiaques, on peut voler le temps comme ça. Oh. Hmm? Le vol est à 15h25, madame est encore en route. Hein. Donc, mon vol est dans quel? Combien de temps? Ils ont dans une heure, mon vol démarre. Je suis encore dans le taxi. Hein? Masa. Ouais. Priez. Si on rate, c'est que c'est encore la carte qu'on doit mettre en danger. Hein? Masa. On passe célébrer. On passe se reposer. C'est ça que les vieilles femmes comme nous font. Quand on vieillit, là, on prend de l'âge. On a fini de travailler sur les enfants. On a fini de travailler. On a déjà travaillé dans le mariage. C'est pour ça que j'ai dit à la petite là de l'autre jour. J'ai dit à la petite là de l'autre jour qu'elle se concentre d'abord. Elle met ses fesses par terre. Elle cherche mariage. Donc elle doit avoir d'abord, elle doit porter le costume de bonnes habitudes. Parce que n'importe quel homme aujourd'hui, hein, mes impactés là, surtout les femmes. N'importe quel homme aujourd'hui, dès que tu l'attaques, dès que tu lui as donné ton nom, hein, dès que tu lui donnes ton nom, t'embêtes, il ne va pas chercher d'abord que tu es belle. Tu es... Belle là, il va finir avec toi la première nuit dans une chambre d'hôtel et après c'est bye bye. Mais maintenant, s'il a l'idée qu'il veut te mettre même dans sa maison, hein, ma petite rêve, écoute bien ce que je te dis. Si un homme a l'idée même, demande à tous les hommes là aujourd'hui, même vos amis hommes, vos frères et les autres là, voilà. Avant qu'un homme décide, qu'il va même te présenter à sa femme, il tape d'abord ton Facebook, hein. Donc, il tape d'abord ton nom complet comme tu lui as donné là. Et si tu lui tapes, et si il tape ton nom, il ne voit pas, il sait que tu es en faux profil. Il sait que déjà celle-ci c'est une bandite, il ne te veut plus. Donc, il sait que tout le monde est dans Facebook. Je dis bien que tout le monde, même pas Paul Biya, il est dans Facebook. Chantal Biya, dans Facebook. Tous les ministres, si vous avez 12 ou 15 ministres, sont dans Facebook. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à trouver quelqu'un, la personne t'a donné son nom, tu connais que le nom de l'impacteur, c'est Solange Bi. Et que la route est quand même libre. Hein. Ouh, la route est bien libre. On va à 100 000 à l'heure. Mon vol est dans 40, ou c'est une heure de temps. Oui, mon vol est dans moins d'une heure. Non, une heure de temps, mon vol est dans une heure. Hein? Il va d'abord, il tape ton nom. Et s'il tape ton nom, il ne voit pas, il connaît que, ouh, celle-ci, c'est les gangrènes de Facebook en faux profil là. Que celle-ci, ouh, celle-ci, elle la met dans ma maison là. Le Congo, ça qu'elle va faire. Dès qu'on va dire qu'il y a une vidéo qui faufile dans Facebook, elle va dire que mon inbox est écarté comme ça là. Envoie-moi seulement, on t'envoie que tu regardes, puis tu fais quoi? On fait peur. Quand, ou parfois dans les commentaires, j'entends, envoie-moi aussi. On t'envoie, tu fais quoi avec? Quand tu as vu là, après tu fais quoi? Hein? Quand tu vois les faits, tu ne peux pas aller voir sur les sites porno. Il y a les sites porno là-bas. Il y a Pornhub, il y a Porn. Tu pars regarder sur les sites porno, tu vas voir beaucoup, beaucoup de fesses. Toute qualité de fesses que tu veux voir, c'est là-bas que tu vas voir. Mais dès qu'on dit là, il y a les fesses de quelqu'un qui se faufile, on a vu deux personnes, qui, comme si vous-même dans les chambres, personne ne fait l'amour. Quand c'est comme ça, tu vas dans Marco, mon inbox est ouvert comme ça là. Allez taper, vous pouvez même, si vous voulez vraiment ce qui est plus explicite, vous partez même, vous partez même sur OnlyFans. La femme vous montre en direct. Si vous voulez même, vous appelez, viens, couche. Elle dort sur ton lit même, avec ton mari. Comme tu veux trop voir comment deux autres personnes font l'amour. Comme toi, faire l'amour avec toi, ton mari, ce n'est plus suffisant. Là, on veut seulement voir. Je vous ai dit, c'est une perte de temps. Hein. Perte de temps jusqu'à ce que non. Hi! Où le tiers de temps là sort que par où? Le cachet, etc. Le cachet, etc. Yeah! Hein? Parce qu'il faut que... On doit remarquer que tu étais dans un direct. Voilà la petite, comme je dis là. Deux enfants. Pas de père dans la maison. Là, le père du premier enfant, zéro. Le père du deuxième enfant, zéro. Maintenant, l'autre va aussi venir. Peut-être là où elle est dans le direct, là, il y a un petit tintin aussi qui est venu l'embrouiller, que tu es une star. Que ma soeur, on te connaît. Hein? Tu es connu. Il y a être connu et être connu. Tu es connu dans quel sens? Dans le sens des directs du Congo, ça veut dire que
C'est les mêmes genres de personnes, la même catégorie de personnes comme toi là que tu es connue dans ce cercle. Et ça veut dire que c'est un cercle de bouée, c'est un cercle de zéro. Être connu, il y a être connu et être connu. Voilà. Et maintenant, quand tu dis à une autre là-bas que tu entraînes ta petite soeur dans la boisbaise, moi, même malgré les petits trucs avec mes petites là, mais vous voyez quand même, mes petits, tout le monde travaille en Europe. Toutes sont occupées. Toutes sont occupées. Et bien occupées. Toutes ont quand même, il n'y a que celles qui sont ici, mais toutes ont fait un mariage. L'autre est encore en mariage. Toutes sont concentrées. L'autre était un peu déconcentrée. Elle était un peu déconcentrée. Elle m'a compris que sa vie l'a laissée derrière. Que les gens qui étaient avec, ils disaient Mako, matin, midi, soir. Mako, tu as vu tel direct. Mako, tu as. Après, la migraine qui prend souvent les gens qui suivent les directs et qui sont dans les directs tous les jours. Là. Yeah. Tu dors sans dormir. En 2 heures, tu as mis les bruits sont dans tes oreilles. Ça tape ton cerveau. Ça tape le système nerveux. Après, ça te fait. Parce que c'est, l'être humain est curieux. Mais il faut choisir où déposer sa curiosité. Je répète encore. L'être humain, c'est normal. L'être humain est curieux. Mais il faut choisir où déposer ta curiosité. Tu peux pas là. You understand? Il faut choisir où tu déposes ta curiosité. Parce que quand tu déposes ta curiosité là où il y a le Congo, ça, ce que tu vas faire, tu vas demander déjà à ton cerveau, à ton brain, à ton cerveau, de développer le Congo, ça, là. Donc, il faut que tu suives le Congo, ça, là, jusqu'au bout. Il faut que, comme on a dit qu'on a vu les fesses de XY, on a vu les fesses, par exemple, de Lorena. Il faut que tu suives les fesses de l'histoire des fesses de Lorena, là, jusqu'à. Donc, Lorena aussi va sortir. Elle va clasher celle qui a sorti ses fesses. L'autre, peut-être le show de Lorena qui était avec elle pendant qu'on sortait ses fesses. Lui aussi va sortir. Donc, tout ça, c'est un dossier que tu vas suivre. Et bon, la fin, le bénéfice de la fin du dossier, c'est quoi? C'est dans zéro. Mais pourtant, si tu suis un dossier, comment faire ceci? On a dit, j'ai vu le tintin de où c'est amer là. Hey, frangin, on n'est pas camarades. Hein? Je ne suis pas camarade avec toi. Tes copines blogueuses, elles sont blogueuses. Moi, je suis une travailleuse, une femme entreprenante. Je suis une impacteuse. Je suis celle-là qui guide même les gens, même en Angleterre. Même toi, je peux te guider. Parce que là où tu es là, tu es perdu. Tu es un enfant perdu, tu es un jeune Camerounais qui a encore toute l'énergie et toutes les forces. Je sens que tu as un petit cerveau. On peut exploiter ça, tu peux faire quelque chose. Tu peux arranger les téléphones portables. Je sens que tu aimes la télécommunication. Mais fais-toi un truc. Que de te balader avec les femmes sont en train de mouchader ou tu mouchades les petits enfants qu'on est en train de manipuler, comme j'ai vu un vieux père vraiment de Dieu. Seigneur Jésus, ouais, les gens prennent le temps où un vieux père comme le père là qu'on dit qu'il a appelé sa mère pour dire qu'il faut clasher un père, tu envoies un enfant aller insulter même l'enfant qui est dans ta maison. Tu peux lui dire que manque le respect à quelqu'un en route. N'est-ce pas? Tu lui dis juste que si un étranger, quand ils sont encore jeunes, si un étranger te dit d'entrer dans la voiture, tu dis non. Mais il faut dire bonjour. Tu apprends les bonnes habitudes à l'enfant. On n'éduque pas l'enfant à l'école, on éduque l'enfant à la maison. Donc un parent a un comportement comme ça vis-à-vis d'un jeune. Je me demande que, mais le monsieur, il a une femme à la maison. C'est quel genre de femme qu'il a à la maison? Est-ce que cette femme-là, c'est une femme en tant que femme de chez femme? Ou bien c'est femme un genre qui cherche ses mots aussi que... Parce que vous savez que ces jours-ci, je suis désolée, hein, beaucoup de femmes aiment entendre qu'elles sont en mariage. Mais pourtant, l'homme ne remplit pas les critères. Voilà pourquoi je dis parfois qu'on peut être même avec un pousseur. On peut être avec un laveur de route. On peut être avec un jardinier. On peut avec n'importe quoi. Mais c'est la façon, c'est le comportement de l'homme qui fait l'homme. Le travail de l'homme ne fait pas l'homme. Parce que tu ne cherches pas l'homme pour l'argent. Si tu veux l'argent, tu vas chercher le travail. Et tu cherches un homme pauvre. Si tu sais même un homme pauvre que tu as aimé. Si c'est un homme riche, tant mieux. Mais si c'est un homme pauvre, si c'est un homme riche que tu as aimé, il t'a aimé, tant mieux. Mais si c'est un homme riche que tu as aimé, que tu as épousé, pourtant tu l'aimes parce que c'est ta prison que tu as. C'est ta prison en diamant que tu as créé là. Mais si c'est un homme que tu as aimé et il est pauvre,
ma chérie, tu vas l'aider à se construire. Parce que en fait, c'est la femme qui tient l'homme. C'est la femme qui est la patronne de l'homme. Mais l'homme pense que c'est lui le patron. C'est la femme qui est le patron de l'homme. Et c'est la femme qui construit son homme. C'est comme ça. Si ton homme a échoué, c'est que c'est toi le problème. Si une femme est dans un mariage là maintenant, là, et que l'homme échoue, c'est que c'est la femme qui a échoué. C'est que c'est la femme qui a échoué son homme. C'est que porte tes bagages, tu pars, tu ne vaux pas la peine d'être appelée une femme. Une femme fait réussir son mari. S'il y a l'amour. Parce que tu vas penser qu'avec un homme qui part dormir dehors, il rentre, il part dormir dehors, il fait sa java avec les femmes, il rentre, tu dis que non, c'est moi son terminus, c'est moi son aéroport et son terminus. C'est que tu n'es rien. C'est que tout ce qu'il prend, il passe toutes ses journées chez une autre femme, il vient seulement déposer son frein pour que tu la couches les enfants. Et puis tu es comme, on appelle ça quoi, une couveuse en fait, une pondeuse pour lui. Hein? Donc quand je vois le monsieur là, ils sont deux là, le amer là, et le monsieur, le vieux père là qui est là-bas là, qui a envoyé le petit Samuel là aller insulter les gens. Quand je regarde les hommes comme ça, ils me demandent que, mais attendez un peu, moi-même qui suis une femme là, peut-être j'ai les testicules, hein. Peut-être mes mandibules là, ça remplace les testicules. Attends un peu, comment un homme peut envoyer un enfant que va insulter ce qu'on t'entend envoyer, et puis jusque là tu viens encore parler sur Mondo Vision. Mais après tu fais souvent appeler aux gens là qu'il faut qu'ils aient un peu la honte, qu'ils s'éteignent un peu. Parce que tout ce qu'il peut dire là, c'est zéro. C'est zéro. Tout ce qu'il peut parler là à l'heure actuelle là, c'est zéro, c'est du bullshit. We get in there in 4 minutes. So what's the time? 26 yam on time. 1 hour. I've got 45 minutes. Là-bas, là, il faut que je sorte ce qu'on appelle le palais pour traverser. Hein. Parce que je dois faire boum, je suis Madame B. C'est un nom que tout le monde. Quand tu dis Solan B, on dit you again. je devais d'abord aller pointer au travail, non? Voilà, j'ai fini à 22h. Vous savez que c'était les fêtes. Quand c'est les fêtes comme ça, on amasse les clients, c'est pas trop l'argent. Vous savez que pendant les fêtes, c'est le moment où on amasse les clients. Parce qu'en ce temps-là, partout est busy, partout est plein. Donc tu dois être disponible. Donc quand je suis là comme ça, c'est que j'ai pointé au moins 50 nouvelles clients. Vous voyez, non? Donc c'est les 50 nouvelles clients là qui vont assurer. Avec le reste peut-être que j'avais aussi qui se sont allés à balader. Ce sont elles qui vont assurer mon business de l'année 2023. Donc les clients qui assurent ton année d'après, c'est l'année ci que tu cherches. Rien que les quelques jours de décembre, les janvier, février. Et janvier, la Noël, bonne année. C'est là où tu pointes les clients qui vont mettre l'argent dans ta caisse pour maintenir ton business. C'est comme ça que je suis resté dans le business pendant 17 ans. Sinon, tu vas fermer. Et si tu vas rester, que tu vas venir rester dans Facebook pour regarder les vieilles mails et les vieux pères là s'embrouiller pour chercher la Stamania dans zéro. Parce que toutes sont pauvres. En fait, vraiment pauvres. Même ces conneries de produits de beauté qu'ils vendent. Ils vont vendre quelque temps. Ils ne vendent même pas ça aux étrangers. Parce qu'ils sont toujours dans le clash. Il faut utiliser le buzz pour pouvoir vendre quelque chose. Mais c'est la bêtise humaine. Tu vas vendre à combien de personnes? Et après, ton business devient quoi après? Quand tous ces gens qui sont venus te soutenir dans le buzz, le petit buzz que tu as fait là. Est-ce que tu peux... Le business, c'est pas maintenant. Hein? Donc quand tu as le business là, on te dit qu'aujourd'hui là, tu vas faire encore 10 millions. C'est pas l'argent, hein. C'est ce qui va revenir tous les jours, petit à petit, tous les moyens de rentabilité, tous les moyens. Il y a le genre de client qui va revenir répétitif. Le client qui vient une seule fois, il te dépose 5 000 euros. Ce n'est pas un bon client. Mais les clients de lifetime, de la villa, qui vont venir de temps en temps, voilà là où il y a clientèle. Je crois qu'on est déjà presque là-haut. Je ne rate pas mon vol ici, même si je suis en retard, comment? Je dis qu'on va réveiller la reine d'Angleterre. Je dois pas... I'm saying to my people, even if I have to wake the queen up, she has to wake up. Oh, I need to catch this flight. You have to. I have to. There's no other way. There's no other way, darling. Well, you are here now. I'm here now, yeah, and it's, well, 3:25. Oh, I don't know the day I'm going to arrive at the airport quite early, seriously. Yeah. So useless for that. But it's okay, you have 1 hour. Yeah, it's okay. Vois un peu, je bois un peu mon eau. Hein. I'll leave this bottle here. Puffy. Yeah, thank you so much. Thank you.
Thank you. Wow, the airport is empty. Yay! I'm there. I'm telling you. I'm just going straight to the gate. So there's no traffic. Look, normally there's loads of cars here, right? And you too, you have a lovely Christmas, yeah? And a lovely New Year as well. 1 second, I'll take my handbag. Oh, my jacket. 1 second. Check everything. Yeah. No, I've got my ticket in my phone and I've got my passport here. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà, on a pris le sac. That's it. Thank you so much. See you soon. Bye-bye.